passionnant, palpitant. Il est là pour nous, rien que pour nous. Bonjour, monsieur Dixon. Bonjour. Voulez-vous révéler à nos téléspectateurs quel est le mot du jour? Le mot du jour, c'est cool. C-O-O-L, comme nous le voyons. Absolument. Qui vient de l'anglais cold, froid, et cool en néerlandais avec O-E, donc K-O-E-L, froid également. Cool a désigné tout d'abord un courant musical de jazz dans les années 40, opposé au bebop. Et le plus grand représentant du jazz cool, c'est, vous le savez sans c'est doute, Miles Davis. Bah oui, c'était petit, Miles oui, Davis. Très cool. Très cool, intellectuel aussi. Bien sûr. Dans les années 70-70, on a aussi parlé de baba cool. Exactement. Hein, être baba cool. Eh bien, ça vient d'un mot sanskrit, ba, qui a été redoublé pour désigner le gourou en Inde. C'est comme ça qu'on désignait le gourou en Inde, baba. Baba, on disait bonjour baba. Vous êtes mon gourou, donc je peux voilà. Vous appeler baba. C'est un mot qui est revenu par ici grâce aux hippies anglais. Eh bien, nous les remercions. Et lors d'une prochaine émission, nous vous parlerons de l'expression « l'avoir dans le baba »,« l'avoir dans le gourou ». Merci, monsieur Dictionnaire. Merci, monsieur Dictionnaire.